Devant un club bien organisé. Je sais, avant le match, c'était un match très difficile contre l'APR. On a essayé de gérer parce que, comme vous savez, il y a un trêve. On vient de reprendre les entraînements il y a peut-être 10 jours et on a deux joueurs blessés, Sauter et Zoubir, qui ont peut-être influencé sur l'équipe parce que, comme vous voyez, mais pour moi, je suis content parce que pour mes joueurs, c'est leur limite aujourd'hui. Après 10 jours d'entraînement, après un repos peut-être de 25 jours, c'est difficile. Mais notre chance était devant l'APR, une équipe, bonne équipe. C'est une équipe organisée qui a mérité son victoire aujourd'hui contre nous. Regardez, pour Alexis, c'est une blessure de préparation. Parce qu'on vient de venir, on n'est pas bien préparé. On a joué un match intense contre l'APR. C'est une équipe que je ne cache pas, c'est une équipe lourde. Elle est parmi les meilleurs clubs, même le rythme qu'ils ont joué avec eux, un grand rythme. Pour cela, c'est une blessure, je ne sais pas avec le docteur, mais je crois que l'esquio, c'est une blessure de fatigue. Pour Sauter, il va venir le prochain match, espérant que Zoubir. Même pour Alex, je l'ai fait sortir pour ne pas aggraver la blessure simplement. Oui, merci beaucoup. C'était pas facile, oui. C'est une victoire très difficile. C'est la reprise après une longue période de repos. C'est pas facile, c'est comme le début de saison. Même sur le plan physique, on a travaillé beaucoup cette période et on sait que la reprise ne sera pas facile. Contre aussi une équipe de Mukura qui n'est pas. C'est une bonne équipe qu'on a bien respectée et qui a une bonne assise défensive. Aujourd'hui, Mukura, le club, il vient pour jouer dans sa zone et encaisser le jeu. C'est ce qui n'était pas facile pour nous. On était pratiquement tout le match face à une équipe composée derrière qui était très compacte. Malgré ça, on a su dominer, on a créé beaucoup d'occasions. On n'a pas pu marquer beaucoup de buts, mais on a eu deux poteaux avec le but de Ramadan. Normalement, aujourd'hui, le match il se termine minimum à 2-3-0. Mais pour l'entame de la phase de retour, je suis satisfait du résultat. Le plus important maintenant, c'est les 3 points. On est dans une phase très importante pour chercher le championnat et chaque point, il compte pour nous. Djabel, il a une blessure de cheville. Il s'est blessé contre Étincelle le dernier match de la phase aller. Et puis, il est revenu et il a eu un nouveau contact et il y avait encore aussi l'ancienne blessure. Maintenant, il est en phase de réhabilitation. J'espère que la semaine prochaine, il sera prêt pour rejoindre le groupe. Et Prince aussi, il a eu une entorse de la cheville. Il va reprendre les entraînements avec le groupe mardi plutôt.